Geronimo! Uh-oh. Oh! C'est qui ça? J'ai réussi à infiltrer. On peut lui parler? Ne tirez pas. Je ne suis pas hostile. Ok. Ah, par contre, je récupère tes flèches. Hein. Qui êtes-vous? Tout ça peut attendre. Si vous voulez des réponses, écoutez attentivement. On a réussi à détruire l'ancienne tour radio, mais ils restent en contact grâce à des antennes relais. Il faut les neutraliser. Aidez-moi, et je dirai aux autres qu'ils peuvent vous faire confiance. Je vais y jeter un œil. Parfait. Le temps presse. Ah, sympa, on a des quêtes secondaires, en fait. A plus, Saphir. À demain. À domani. Pas tirer dessus. Le crochet est requis. Bon, bon bah non. Je sais pas qui a dit re. Ah oui, à chaque fois qu'elle se met un feu de camp, je crois qu'il y a un peu d'histoire. Pas grave, prochaine fois. Oh. C'est interdit en France de lancer des nains maintenant? Merde. Il va falloir que je me cache. Ok. Vision de l'aigle. Alors, silence radio détruit les tours transmissions. Il y en a 5. Oh la vache. Ok. C'est parti. Nous avons. T'es sûr que je peux pas faire ça? Non. Ça me dérange. De pas pouvoir tirer dessus, ça me perturbe. Bonne nuit, Eric. Merci d'être venu. Possiblement à demain. Explorer le site pour trouver l'entrée. Ça marche. C'est quoi ça? Des ressources? Les antennes relais, elles ont dû être installées par les Trinitaires. Ok, personne qui va arriver. C'est perturbant.
C'est un reflet ce qu'on voit? C'est étrange. Youhou! Une photo de famille. Des Russes de la fin des années 50. L'un d'eux était peut-être emprisonné ici. Il y a quelque chose d'écrit ici. Souviens-toi. C'est en quoi? C'est en russe? Oh merde! Ok. Comment ils ont fait pour pas me sentir, quoi? Par contre, ça me dérange. Où est-ce qu'on va? Non, 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 non. Putain, derrière moi. Pire que des zombies, les trucs. Ah ah. Je vais te tirer plus d'infos aux prisonniers. Constantin risque de pas apprécier s'il doit s'en charger lui-même. On va lui mettre la pression. Mais on sent qu'il connaît déjà certaines techniques d'interrogatoire. On sent qu'il s'agit du chef des rescapés. Il en sait forcément plus sur la source divine. Prouvez sa faiblesse. Soyez créatif. Ce prisonnier, je peux peut-être le trouver. Il est à fond, ouais. Il est en ultra, super ultra, machin. Par où? Ah. Voilà. Non mais bon. Tout en haut. Encore des loups. Où est-ce qu'on passe?
Où est-ce qu'on passe? Ah, voilà. Non. Ah, ok. Ah, merde. Je pense avoir trouvé. Merde. Merde. J'étais trop bas en fait. Je pensais qu'elle allait s'accrocher, mais non. Est-ce que ça sert à quelque chose de monter en fait? Ah si. J'ai les seins trop bas, c'est ça? Ils étaient trop lourds aussi. Ça a directement tombé. C'est bête. Ça arrive. Nous avons trouvé une femme gelée. Là. Les antennes relais. Elles ont dû être installées par les trinitaires. Je viens de m'apercevoir que c'est une scie géante en fait, c'est une scie circulaire géante. Putain, il va falloir refaire le combat contre les loups. Ah, j'aime pas les loups. On est bon. Une photo de famille. Des Russes de la fin des années 50. Ce n'est pas du russe. Un avertissement peut-être. Ah. Ok. On va d'abord se faire les loups.
Allez, allez, go la grotte en premier. Ah tiens, je pouvais grimper ici. Bon, on va faire la grotte, je pense. C'est quoi ça? Ah, je peux pas remplir des fioles ou je sais plus quoi. Ça y est, aussi en survie. Bon, d'abord on fait la grotte, puis après on fait l'autre grotte qu'on a trouvée. Prendre le flingue juste au cas où. On est bon. Deuxième. Au fond des ténèbres. Lumière, merci. I am alive, non, je connais pas. I'm alive, non. Ça me dit quelque chose, mais... Le prophète était persécuté, de même que ses fidèles. On dirait qu'ils sont partis précipitamment. Est-ce que les soviétiques auraient trouvé quelque chose? Oh là. Il y a de l'eau en dessous. Et pas qu'un peu. Ah non. Pas de l'eau. Une pièce d'or frappée à l'image d'une ville. Et voilà le prophète. Ça devait être la monnaie officielle de Kitej. Évidemment. Faut que je descende là? Faut que je m'accroche? Qu'est-ce que je dois faire? M'accrocher? Putain. Ah, oh la vache. On va crever. How to survive, ouais. J'ai le 2. Oh, wow, wow. Le visage du prophète. Frappé dans l'or, les orfèvres de la cité commençaient à développer leur propre style. Mais on reconnaît l'influence byzantine. Ouais, le 2 est sympa. J'avais joué quelques heures. Après, je me suis lassé, mais... Ça doit faire partie du système. Oh. C'est parti.
Oh la vache. Mais sans déconner quoi. Il y a de l'eau en dessous ? Ouais. Ouais, c'est plus de... Ouais, c'est mieux en coop quand même. Bah, prends. Un baril de pétrole. Yes, feu de camp. Oh la vache. Ça fait plaisir de trouver un feu de camp. Oh mon dieu. Alors... Ah, on n'a pas de points. J'ai cru qu'elle avait dit qu'on avait des points de compétence. Ah non, peut-être ça. Pour l'instant, le flingue, on va le laisser parce que je sais pas si je... Si je vais vraiment garder celui-là. Au final, on devrait peut-être prendre le Uzi, tout simplement. Appliqué à tous les pistolets. Appliqué à tous les pistolets. Tous les pistolets avec chargeur. On va voir. Ah ouais, ok. On va tester le Uzi. C'est stylé d'avoir un Uzi. Oups, non. Par contre, vu que j'ai pas trop de balles, c'est, je sais pas. C'est peut-être une connerie en fait. L'eau est en train de tout éroder. À ce rythme, il ne restera plus rien d'ici quelques dizaines d'années. Ah bah ça va, on a le temps. C'est une citerne. On a encore 10 ans. Ah bien, ah bien, bien. J'ai toujours peur qu'il y ait des bestioles dans, dans l'eau. Cette porte, elle sert à retenir l'eau. Non mais le l'arme à feu c'est en cas de... C'est en cas de problème. Bonne nuit Orion. Orion, essaye pas de soutirer de l'argent à mes... à mon chat. Ça c'est mon boulot. Cette plateforme... Elle a l'air d'être connectée à la vanne. Faut la faire péter aussi. Ah ah, je sais.
Ouais, c'est ça qu'il faut faire, non? Enfin, je crois. Yeah! Ok, on n'a qu'une chance. Enfin, trois exactement, mais. Non, 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 non! Ah! Putain. Ok, je devrais pouvoir traverser à la nage maintenant. Si tu le dis. Où ça? Ce radeau. Qu'est-ce qu'il a, le radeau? Ah, elle veut peut-être escalader la roue. Eh ouais, je sais, troisième jour. Genre un... Ah oui, un mégalodon. Putain, non. Non, mais c'est trop petit pour un mégalodon. Une autre barrière. Mais comment l'atteindre? Faut que je la fasse péter aussi, mais j'ai pas de truc. J'ai pas d'explosif. Peut-être pas là. Alors faut nager avec une... On va voir si on peut nager avec... Allez. Ah tiens, ça réapparaît. Non! Plonger aussi. D'accord, bon, je retourne vite fait, puis après je fais le radeau là. Il n'y a rien en dessous. Je vais faire le radeau. À moins qu'elle veuille grimper directement, mais ça m'étonnerait. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le niveau de l'eau est indiqué sur le mur. Il n'est pas régulier. Ah bon? Yeah! Ça servait à rien!
notre barrière. Mais comment l'atteindre ? Ah, j'en sais rien. M'a fait peur. Ah, du coup, on prend un jerrycan en fait, vu qu'elle peut pas nager avec. On prend tout simplement un jerrycan, on saute sur le. Ah non, on peut pas. Perturbé. Ah mais si, non, c'est bon. C'est bon. Je peux pas le mettre là-bas directement. Non. Oui. Ah là. Maintenant on se loupe pas. Faut pas qu'il ricoche. Oh la vache. C'est bon. Oh là. On s'en va vite. Monte. Par contre, c'est un peu court parce que dans un sens, elle aurait pu très bien le prendre dans la main et nager avec. Je pense. Sans le tremper, mais... Enfin, je sais pas. Bref. C'était marrant. C'est un manuscrit ancien. Les dons de la terre. Instinct naturel. Ça fait quoi? Les ressources à proximité apparaissent automatiquement sur la carte et s'affichent en surbrillance quand vous êtes proche. Ça c'est cool ça. Du coup on sort par où? Là-bas? Poignée renforcée offre une meilleure prise en main de l'arc et une vitesse de tir augmentée. Est-ce qu'on change de truc ? Non, on est bien comme ça, on est joli. On est mignonne. Je pourrais me téléporter, non? Enfin, c'est pas grave.
Ah ouais, non, mais on va se téléporter en fait. Qu'est-ce que t'as? C'est marrant, on dirait qu'il y a quelque chose qui me repousse en fait. Ok. Magie. On va voir pour faire les tours de transmission. On va se concentrer sur ça. Bon, on va refaire ce que je voulais faire la dernière fois. On va éviter de s'écraser par contre. Donc c'est là. Yeah, ça marchait. On peut s'accrocher là. N'oublie pas que tu vas devoir rester au chaud plus de 20 jours par mois avec la... C'est vrai. Ah, il y a encore une grotte. Ah ah. Comme ça on remplit nos astuces et on peut repartir. Ok, laisse tomber. Oh merde, c'est là. Merci. Tout est Dark Souls. Ok. Oh merde. J'ai un problème avec celui-là, hein. Je sais pas par où passer en fait. Comment on atteint celui-là? Ça me dérange là. Je pense que c'est par les tyroliennes, mais comment je vais à cette tyrolienne là? Faut aller là. Comme ça, je dirais. Et comment on monte? Là. Ou alors c'est pas du tout par là. Faut peut-être tout simplement escalader en fait.
pense qu'il faut tout simplement escalader. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai derrière moi? J'avais une bestiole. Ben ouais, faut simplement escalader. Par où? Là. Et voilà. Ah, pas mal ça. Pas mal. Oh la... Ah, elle m'a fait peur, cette conne. Ok. Ok, maintenant on continue. On va aller voir la grotte vite fait. Moyen de l'actionner. Flèche grappin. Plus tard. Go. Ah merde, attends. Ah, c'est en contrebas. Fais chier. Wouhou. Au, 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 au. Pièce d'arc à poulie, yes! Elle est où la radio? Ah, elle est là. Oh putain, oh merde, faut retourner voir le général des rescapés. Sorte de jouet miniature avec un mécanisme. Il est fait de bouts de métal et de pièces récupérées dans le goulag. Il a dû falloir longtemps pour rassembler tout ça. Putain! Tu m'étonnes.
Du coup, tout va bien. Pour moi, Jigo met un pouce bleu YouTube. À plus tard, troisième joueur. Merci d'être venu et merci pour les bits et l'abonnement. À demain sûrement. Je vais continuer, je pense, toute la semaine faire du Tomb Raider. Je vais juste parler au mec d'abord et après. Ah, il est là. Vous avez terminé ? Oui. Les antennes relais sont neutralisées. C'est fait. Bien. Qu'est-ce qu'elle a froid ? À vous donner. Mais si vous combattez à nos côtés, servez-vous de ça. Le crochet. Je peux l'utiliser là ? Yeah. 3 sur 4. Maintenant on a le crochet, ça c'est cool. Alors, point de compétence. Tu as simultanément deux flèches. Sur deux cibles. Verrouillé. Tire la tête apparaître quand vous visez correctement la tête d'un ennemi. Ah, c'est peut-être pas mal. Ça peut être pas mal. Après, on a l'arc à poulie. Ça sera avec... plus tard. Ça sera pour plus tard. Applique pour tous les pistolets. Ça sera pour plus tard. Bouge pas. De quoi je t'ai tiré? Ouais. Je sais, mais bon. C'est pour récupérer des ressources. J'aime pas tuer les bêtes. J'aime pas tuer les bestioles. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est le crochet. Qu'est-ce qu'elle a? Grande poche de munitions. Pas de munitions pour pistolet. Sacoche. Ouais, il va falloir que je tue tous les animaux en fait. Comme ça on récupère tout ce qu'il nous faut. Genre là il nous faut 15 pots, 20 pots. Pff. Ouais. Il va nous falloir plein de trucs. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir.